Bon, finalement, on est rendu dans le sixième et dernier verbe. Doler. Doler, c'est un verbe qui appartient à ce groupe de verbes, mais en plus, il appartient à un autre groupe, le groupe de verbes irréguliers. Pourquoi? Parce que la O va changer pour U, E. Les O, ça change pour U, E. Alors, doler à l'infinitif, duele à la conjugaison. Bon. Pareil, troisième personne, singulier, pluriel, duele, duelen. Me duele la cabeza. On dit plus comme j'ai mal à la tête. C'est correct. C'est correct ça. Me duelen las piernas. J'ai mal aux jambes. Me duele ver la realidad. Plus le verbe à l'infinitif. Ok? Ça me fait du mal de voir la réalité. Un peu dramatique, mais à l'infinitif quand même. Te duele el estómago. Le duele el pecho. Nos duelen los dientes. Les duele el corazón. Les duele tu actitud. Negativo. No me duele. No me duelen. No me duele ver. No te duele el estómago. No le duele el pecho. No nos duelen los dientes. No les duele el corazón. No les duele tu actitud.